Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et pour cette fin de semaine du lourd, du lit, du VIP 19, notamment des nouvelles civilisations en préparation par Lilith. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, pas d'excuses. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater les amis. Avant de parler leak, avant de parler KVK de dingue, on va regarder les events qui ont pop. Il n'y a rien de particulier sauf si votre KVK vient de commencer comme c'est le cas du 1960. On ira voir ce KVK de ouf. Il y a le pop de fouilles archéologiques. C'est tout ce qu'il y a vraiment d'intéressant à la chasse à l'histoire. Donc fouilles archéologiques nous permet d'avoir des marteaux. Comme je vous l'ai dit, vous le voyez, j'en ai 58. Je vous conseille de garder vos marteaux pour avoir les récompenses à chaque fois le plus haut possible. Donc faites-vous un petit stock. Moi là je suis à 58. Je vais peut-être attendre d'être à 100, on va voir. Mais faites un petit stock et faites une fois un très gros tirage. Ça maximisera les chances d'avoir le max de bonnes récompenses, les amis. Après, pour choisir, prenez ce dont vous avez besoin. On va donc passer à ces infos de dingue, de leak. Sérieusement, c'est du très très lourd et ça semble confirmé notamment par Absodian et d'autres. Donc c'est plutôt très fiable, la source est Fantôme. Fantôme qui a déjà fait beaucoup de leaks, qui a donné beaucoup d'infos. Regardez ce qu'il annonce, on va regarder ça vraiment en détail car il y a du très très lourd. La première info, 6 nouveaux équipements sont à venir. Dans ces 6 nouveaux équipements qui arrivent très bientôt, c'est pas étonnant. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux équipements. On a des nouveaux commandants cavalerie qui sont énormes. Infanterie aussi très lourde avec les Scipion Premium par exemple. On a aussi les nouveaux Henri V et Boadicée pour les archers. Donc évidemment, il faut mettre des nouveaux sets hein, pour aller avec ces commandants de dingue. On dépensera de la thune pour les bundles et Lilith sera très content. Donc 6 nouveaux équipements, 2 pièces par type de troupe. Donc 2 pour les archers, 2 pour l'infanterie et 2 pour la cavalerie. Hein. Ils seront ajoutés au shop du KVK. Évidemment, c'est normal que ça soit ajouté au shop du KVK. Regardez, si on jette un coup d'œil à ce shop, puisque je suis en KVK, il faut que je claque mes pièces ou que je les stocke. D'ailleurs, bah, regardez ce que je vais faire. Je vais stocker, donc si vous êtes comme moi en KVK et que vous avez un petit stock de pièces, hein, je vous conseille de le stocker, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, sur mon petit stock de pièces, hein, vous le voyez, je peux acheter que des armes ou des casques, et la plupart des joueurs l'ont déjà. Les 3 armes, elles sont pas, à part pour les archers, hein, les 2 autres armes, elles sont un petit peu éclatées de l'attaque de la cavalerie et de l'attaque de l'infanterie. Les archers, c'est de la défense, c'est de la balle. En revanche, pour les casques, hein, on a pareil, hein, la défense de la cavalerie, il est top, et la défense de l'infanterie aussi, l'attaque des archers, hein, c'est éclaté. Ce genre de plan, je vous le déconseille, donc évidemment, on va surkiffer les nouveaux plans et je vais garder mes petites pièces des fois que ça soit en plan avec des pièces de saison de conquête et non pas avec des pièces de conquête, des pièces de saison et non pas avec des pièces de conquête qu'on puisse les acheter. Je vais garder mon stock, on verra bien. Continuons donc sur les pièces qu'ils sont annoncées, des nouveaux gants et des nouveaux plastrons hein, qui vont pouvoir être rajoutés. Donc ils le disent, hein, conservez vos coins, donc c'est bien les conquêtes. Hein. Les pièces de conquête qu'il va falloir garder, il y avait la réponse, et non pas les pièces de saison, mais je vais quand même garder mes pièces de saison, hein. On ne sait jamais. Continuons donc avec ces infos, et plus il y en a, plus je déroule, et plus c'est du lourd. Regardez, il a donné d'autres infos, notre ami Fantôme, hein. Grèce, Perse et Russie, civilisation sont complètes. Le design est en phase actuellement de test pour les Sparta. Donc nous avons, enfin non, currently in the design, ça veut dire qu'il y a actuellement en train d'être fait et qu'ils ne sont pas finis, hein, les Sparta. Ça veut dire qu'on a déjà 3 civilisations de prêtes et une 4e qui est en train d'être faite.
Ça prend longtemps, l'Égypte, on l'a annoncé longtemps à l'avance, donc ça veut dire que les Spartans l'aura pas avant au moins un an, mais on peut espérer avoir Grèce, Perse et Russie. Si j'étais à la place de Lilith au niveau du marketing, j'en sortirais une par trimestre. Donc d'ici la fin de l'année, j'en sortirai deux. Je sortirai la Russie évidemment le plus tard possible hein, au regard du contexte. Hein, je la sortirai que l'année prochaine et les Spartas dans la foulée. Ça fait qu'ils auraient un an de civilisation devant eux. On va voir ce que ça vaut dès qu'on aura plus d'infos et des fuites des designs. Évidemment, je vous les partagerai. Les infos nouveaux KVK également. Hein. La lutte des 8 hein, en KVK va être supprimée. Vous les avez bien lus. Hein. La lutte des 8, hein, Strip of 8, hein, va être supprimée et remplacée par un nouveau KVK. Même plus, 3 nouvelles cartes de KVK sont prêtes. Ce qui veut dire 3 nouvelles cartes. Ça veut dire 3 nouveaux types de KVK vont être ajoutés. Ils nous en enlèvent un, ils en rajoutent 3. Espérons que ça ne sera pas aussi éclaté que la conquête du désert. Moins 1 KVK plus 3. Ça veut dire qu'on va se retrouver normalement hein, avec 6 types de KVK puisqu'on en a 4 actuellement. Là, les maps sont prêtes. Hein. Ils disent que c'est l'un d'entre l'un de ces KVK est similaire à Light and Darkness, hein, Lumière et Ténèbres, hein, où on est autorisé à choisir officiellement ses alliés. Ce qui est vraiment une bonne chose. Hein. Rappelez-vous, pendant l'ouverture des portes de mon KVK, je vous disais, c'est le bordel parce qu'on est plusieurs camps sur une porte hein, et on passe notre temps à se taper dessus. C'est un petit peu relou quand on est plusieurs royaumes de territoires différents à défendre une même porte. Si on peut choisir nos alliés et qu'il y a plus de problèmes, ça serait vraiment de la balle. Bringing back AVA, donc on va avoir un alliance versus alliance. Alors comment ça va être organisé? Parce que quelque part, l'alliance versus alliance existe déjà, on en a déjà entendu parler. Il existe déjà dans la Ligue Osiris, hein, c'est de l'alliance versus alliance, les 30... Je dirais le roster des 30 meilleurs joueurs d'une alliance contre les 30 autres d'une autre alliance. Donc on est déjà dans ce système-là. Comment va être organisée l'alliance versus alliance? Est-ce que ça va être un event? Est-ce que ça va être comme le KVK, mais ça sera le AVA? Vraiment à voir ce système-là. Personnellement, j'y crois pas trop. Système hors event, hors Ligue Osiris par exemple, hein, ou Tombeau d'Osiris, je crois peu. À cette alliance versus alliance, mais ça serait bien, vous le voyez, on a un tombeau d'Osiris qu'une semaine sur deux, ça serait bien qu'une semaine sur deux, on a un tombeau d'Osiris, une semaine sur deux, on est par exemple 12 heures ou 8 heures ou 4 heures d'alliance versus alliance, ça serait vraiment intéressant. Osiris League, la nouvelle Ligue Osiris, saison 6, si je dis pas de bêtises, va arriver, rien d'étonnant, on est sur le rythme de cette saison. Je pense que la saison d'Osiris devrait commencer, on est le 1er juillet aujourd'hui, elle devrait être annoncée et commencer, je pense, la deuxième quinzaine de juillet. On va voir si ma boule de cristal a raison. Il va y avoir d'autres leaks qui disaient Today qui sont tombés d'ailleurs. Regardez, et là on arrive sur le très très lourd. Dev Team a dit qu'ils allaient rajouter un 15%, il n'y aurait pas de 15% health skins, il n'y aura pas de skin de ville qui rajoute 15% de santé, ça serait clairement abusé et cheaté. Et là, les infos qui arrivent en vrac, et c'est vraiment de l'abuse de ouf. 6 iconiques cristaux vont être ajoutés au pré-KVK individual ranking. Le premier va récupérer 6 cristaux iconiques. Le deuxième 4 et le troisième 2. C'est oufissime ça parce que les baleines qui sont déjà baleinissimes, elles vont nous éclater encore plus avec tous ces cristaux iconiques. Rappelez-vous, hein, je vous l'avais dit, hein, Lilith avait dit oui, peut-être que les cristaux sont trop faciles à obtenir. Oui, il n'y en a pas assez. Je vous dis, vous inquiétez pas, ils vont trouver un système pour faire que les baleines en aient plus, mais pas les autres. Eh bien, c'est fait, hein, parce que pour gagner le pré-KVK, comme je vais vous montrer, comme je vous ai déjà montré un certain score du 1960, il faut être énormissime sur certains KVK. Donc là, c'est inatteignable. Hein. Des nouveaux commandants vont être ajoutés à l'expédition. Alors ça, Lilith le promet depuis très 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 longtemps, mais ils ne le font pas, hein. Tout comme Toutmosis qui n'est toujours pas dans les coffres en or hein, de la taverne. Il tarde à rajouter des trucs. Dès que c'est gratuit, bizarrement, c'est super long, hein. Allez savoir pourquoi, on dirait que Lilith n'en a qu'après
notre thune. Et pour finir, regardez, c'est énormissime. VIP19 arrivera début 2023. Donc on peut parier au T1 2023, on aura le VIP19. Là, je compte sur vous les amis. À votre avis, que va ajouter le VIP19? Regardons déjà ce qu'avait rajouté. Le jeu a commencé, si j'ai bonne mémoire, on était en VIP15. Vitesse de récolte, resto de point d'action, construction. Tout le monde voulait le VIP15 pour la vitesse de soins et la vitesse de marche. C'était ce qui était le plus recherché. On a eu par la suite le VIP16, si je dis pas de bêtises, ça a été dans cet ordre-là, qui est sorti, et donc on a eu la restauration de points d'action, et encore une fois, la consommation des ressources. Là, les gens disaient que c'était pas trop cheaté de ouf, sauf l'épreuve du royaume perdu, hein, quand elle est arrivée. Cette arme-là, franchement, certains disaient que c'était abusé, mais il fallait lâcher 100 balles pour avoir le coffre, hein, en plus d'être VIP16. Bon, c'est un avantage pour vraiment les baleines, mais aujourd'hui, c'est un équipement qui est beaucoup moins utilisé. Et même les bonus étaient pas dingues sur le VIP16. En revanche, le VIP17, il a été très, très demandé. Puisque regardez, il rajoute des dégâts totaux de plus 5%. Ça a fait un petit scandale. Quand il est sorti, on a dit que les baleines allaient encore, les kraken allaient encore plus rouler sur tout le monde. VIP18 par la suite, et puis aussi hein, la vitesse d'entraînement plus 25%, mais c'était moins discuté. VIP18 après plus 10% de marche, moi j'ai pas la chance d'y être encore. Capacité de troupe plus 15%, consommation de retours de soins moins 15%. Alors évidemment, c'est surtout la capacité de troupe plus 15% là qui est enviée sur le VIP18. Que va nous apporter le VIP19? Alors, moi, si je devais faire un pronostic, je parierais sur une nouvelle fois, si je regarde ce qui est derrière, allez, une nouvelle fois peut-être l'augmentation de la capacité des hôpitaux, la diminution de la consommation des ressources de soins, peut-être l'augmentation également de la vitesse de soins, puisque plus on soigne vite, plus on peut soigner et plus on peut se battre et dépenser de la thune pour acheter des bundles. N'oublions pas que c'est quand même l'objectif de toute entreprise comme Lilith, hein, et je pense qu'on pourrait avoir un petit cadeau bonus pour vraiment que les Kraken soient contents, hein. Augmentation des soins. Par exemple, on a bien augmentation de 5% des soins, on pourrait des dégâts en VIP17. On pourrait très bien avoir une augmentation de la santé des troupes de 5%. Là, vraiment, ça ferait une grosse différence avec les autres niveaux de VIP, notamment le 18, et ça ferait que ce niveau serait très recherché. Mais regardez, hein, en tout cas, quelles que soient les améliorations qui sont portées, hein, il n'y a pas de rajout de sculptures supplémentaires. Hein. On est à 3 sculptures en or depuis un certain temps à présent, hein, vous le voyez. La troisième sculpture arrive au VIP 14. Hein, normalement, c'était tous les deux VIP. 14, 15, 16, 17, 18, on est toujours à 3 sculptures. Il pourrait peut-être passer à 4 sculptures. Hein. Je les vois difficilement rajouter un cristaux iconique. Ça ferait beaucoup trop d'en avoir un. Tout le temps au niveau 19, d'avoir toutes les semaines un cristal iconique, ça diminuerait grandement la valeur des cristaux. On va bien voir ce que Lilith va nous rajouter. Moi, mon prono, c'est santé plus 5% et accélération de la vitesse de soins et peut-être augmentation de la capacité des hôpitaux. Faites-moi votre pronostic en commentaire, les amis. On verra dans quelques semaines, quelques mois plutôt, puisque c'est en début 2023, qui avait raison en reprenant cette vidéo. On va passer à présent au KVK, les amis, et avec des choses énormissimes, des mecs, quand on parle de mecs qui ont trop d'argent, là, vous allez voir des vrais mecs qui ont beaucoup trop d'argent, mais à l'échelle d'un royaume entier. Regardez, le 1960 vient d'entrer sur son KVK, et regardez le classement des alliances. Alors déjà, les 60 GT, ils calment tout le monde. Alors à part les 1V qui restent un cran au-dessus, hein, sinon en termes de puissance, les mecs, c'est les boss, 20,6 milliards. Ils ont pris 2,5 milliards en pré-KVK. C'est tout bonnement énorme. Suivi donc le 1960, les Ducks, hein, du 13-02 qui sont alliés au 1960, je vous le rappelle. Hein, puis les BG du 1008 et en face, on a toujours sur le 13-02.
On a les Song et leur premier adversaire, je crois, ou les 1008 sont aussi contre eux, hein, donc leur deuxième adversaire, les 1AVG, et on a les FCN du 1077. Un très très gros classement avec des très très grosses puissances d'alliance. Et regardez au niveau des puissances individuelles, pardon, des puissances individuelles, le premier est bien le leader des 60 GT, hein. Gouverneur avec ses plus de 540 millions. Alors ça reste la moitié de Baba, mais c'est quand même énormissime. Derrière, on a un joueur des Docks et on arrive à notre ami Léopard. Vous allez le voir, Léopard. Lui, c'est clairement un joueur qui est dans une dimension parallèle. Je vais vous montrer un petit rapport d'espionnage sur Léopard et vous allez vite comprendre pourquoi lui c'est un joueur à part. Mais je pense que Gouverneur a des stocks tout aussi importants. Regardez pour finir en termes de points de meurtre. Hein, et bien évidemment les 60 GT. Je crois que les 60 GT hein, c'est l'une des alliances au plus haut score en points de meurtre. Si ce n'est la plus haute actuellement. Hein, 869 milliards de points de meurtre. Oui, 869 milliards. Et regardez, ils ont autant que le deuxième, les 1AVG qui sont tout bonnement énormes quand même, hein, et les BG. Donc franchement, là on est sur du très 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 lourd les amis. Regardez ce que je vous disais sur notre ami Léopard, sur sa puissance non, ses réserves, ses stocks, 93 milliards de nourriture, 75 pratiquement milliards de bois, 72 milliards encore une fois pratiquement de pierre, et 66 milliards d'or. Clairement, là, c'est des stocks qui... Le mec, franchement, c'est assez oufissime. Il a plus de stocks qu'une alliance entière. Donc, dites-vous bien que ce genre de joueur, c'est pas un joueur atypique. C'est peut-être celui qui a le plus de ressources en stock de tous les 60 GT. Mais la majorité des joueurs des 60 GT sont à ce niveau de stock. Donc, dites-vous bien que ce KVK va brûler pour leurs adversaires. Le 1307, les 1AVG notamment, vont avoir vraiment fort à faire. Et ils savent qu'en face d'eux, ils auront des mecs qui ne vont rien lâcher. En parlant de KVK, toujours regardez ce nouveau système. On se plaint souvent du système de Rise of Fortress où à présent les mecs posent des forteresses et on ne peut plus avancer. Eh bien, sur le nouveau système de KVK où on peut mettre des tourelles de fléchettes, hein, on peut transformer sa troupe en tourelle. Regardez ce que font les mecs, c'est très malin, c'est une zone entière de tourelles. Donc les mecs mettent des troupes, ils les transforment en tourelles et ils mettent ça tout autour de leur flag et de leur forteresse. Vous vous doutez bien qu'aucune troupe, donc c'est sur le KVK hein, 1426, le C1426, aucune troupe ne peut passer cette zone. C'est impossible. Hein. Franchement, je ne vois même pas comment les mecs peuvent faire pour passer ce mur de tourelles. Donc on se retrouve dans un schéma où d'un côté on a des KVK où personne ne peut avancer car on a des forteresses qui sont doublées, qui sont triplées, qui empêchent toute progression d'une alliance sur un territoire. Et en face on a ce nouveau système de KVK. Lilith doit urgemment faire quelque chose parce que sinon les KVK deviendront injouables et tout se jouera uniquement en terre du roi où on ne peut plus poser de forteresse, où je pense qu'on ne pourra pas poser de tourelle de défense. Mais ça veut dire que ça sera un grand ennui avant, donc 40 jours ou 35 jours d'ennui pour seulement quelques jours de combat. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour les infos KVK. La semaine prochaine, on va suivre l'avancée en Terre du Roi du 1846, du 1860, du 1093 hein, et l'avancée, les premières ouvertures de portes du 1960. Ça va être énormissime les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.